Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Je vous ai promis dans la dernière vidéo qu'il y aurait une invitée spéciale. Et regardez qui nous a rejoint. À votre avis, qui c'est? On l'a croisée dans la rue vite fait. Ouais, je me suis dit, elle a l'air sympa, elle a un bon faciès. Go faire une vidéo ensemble. C'est faux. Aujourd'hui, on est avec Clarisse, qui est la monteuse vidéo de conseillers influents, mais pas seulement, elle est rôle des tâches. Et oui, parce que tu fais les designs, tu m'aides à créer le contenu, tu m'aides sur un projet très très top secret qui va bientôt arriver sur la chaîne et partout sur Conseil Influent. C'est un secret. Chut, la ferme. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Elle fait pas le ménage chez moi, ça c'est sûr. Ouais, c'est déjà pas mal, elle fait déjà pas mal de trucs. Et du coup, le concept aujourd'hui de cette vidéo, Clarisse n'est pas au courant de ce qu'on va faire. Non, là je me suis fait embarquer comme ça sans savoir. Sur la tombe. Exactement. C'est contre ma volonté, je veux pas être ici. Le concept du jour, c'est que je vais lui montrer des vidéos de gens sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Pas spécialement à l'immobilier, mais c'est des gens juste qui donnent des conseils pour augmenter ta visibilité. Et toi, tu vas devoir me dire si tu es d'accord ou pas, parce que Clarisse, quand même, elle a l'habitude de m'entendre donner des conseils, que ce soit dans les vidéos et tout. Ok, donc là, en fait, c'est une interro surprise. Va falloir voir si j'ai bien écouté ou pas tous tes conseils. T'as une note à la fin de la vidéo. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? D'ailleurs, en commentaire, à la fin de la vidéo, mettez une note à Clarisse, comme ça, c'est pas la boss qui met une note. Hey, soyez gentils, s'il vous plaît, c'est ma toute première vidéo. Et oui, c'est la première vidéo YouTube de Clarisse. Ouais, je suis un peu timide, là. Je suis un petit peu timide. Mais tu vas voir, les gens, ils sont trop sympas en commentaire, ils vont te donner plein d'amour. Ils vont t'envoyer plein de love parce que vous êtes sympa. Je compte sur vous parce que sinon je reviendrai jamais. Ouais, et moi je vous bloque tous si vous êtes désagréable avec elle. Voilà, en histoire. Bon. Un vrai tyran, cette Lolo. Première vidéo, t'es prête? C'est que des vidéos sur Instagram. Okay. On peut lire la description ou pas? Oui, j'ai coupé le son. Ici, en gros, dans la description, ils disent que bah, ils sont d'accord, c'est dur de gagner de l'engagement sans montrer son visage, mais ils donnent quand même 7 astuces pour réussir à humaniser son compte sans avoir besoin de se montrer. Donc, bah, il y a raconter son histoire, partager de fortes valeurs, faire une identité visuelle qui sort du lot, faire régulièrement des voix off, partager des témoignages, des avis clients, de la preuve sociale en général, d'être beaucoup plus présent en story quotidiennement et se faire confiance. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est vrai, je pense pas qu'on soit obligé de montrer sa tête pour que ça marche. Ça peut juste être plus dur parce qu'en général, ça marche mieux quand c'est personnel, et le fait de montrer sa tête, ça rajoute, ça crée de la proximité et de la confiance. Mais je pense que si on est vraiment contre cette idée, on veut vraiment pas montrer son visage, je pense que ça peut marcher quand même. Et justement, ils ont donné des idées et tout dans la description, donc ouais, je dirais quoi. Moi, je suis d'accord si c'est dans une autre industrie, mais j'y crois pas du tout dans l'immobilier. On parle de biens en général quand même qui ont un montant, tu vois, pour les gens, même un bien pas cher, il est, je sais pas, dans les deux Sèvres, tu vois, il est à 85 000, 90 000 euros. Bah, ouais, c'est quand même une somme énorme. Et quand tu confies une partie de ta vie comme ça, parce que c'est pas juste des maisons, des appartements, c'est des souvenirs, des émotions, tu vois, c'est pas que des murs. Je sais pas, moi j'ai du mal à... Mais ne pas montrer son visage, c'est ne pas se montrer du tout? Ou par exemple, si, imaginons, c'est moi, je marche là dans la maison, mais on me filme que de dos. Ah, de dos. Et on met une voix off. Après, ça peut être un élément différenciant, hein, d'être un peu l'agent immobilier mystère, mais du coup, le travail que tu fais sur les réseaux sociaux, tu vois, sur le terrain, on te reconnaît pas. Enfin, ce serait trop bizarre, c'est comme si tu faisais de la prospection, mais que t'avais un sac sur la tête, genre. Bonjour, je suis agent immobilier, j'aimerais savoir si vous vendez votre maison. En porte-à-porte, enfin personne t'ouvre, hein. Vraiment c'est Scream, tu vois, le film d'horreur, vraiment c'est terrifiant. Donc je sais pas, en fait je pense que dans des industries comme le community management et tout, je pense que ça peut marcher, mais dans l'immobilier, c'est Oui, c'est vrai, parce que ça veut dire ne pas faire de story. Ouais, non, vraiment, je pense, ouais, c'est vrai. Ça risque d'être compliqué. Mais donnez-vous votre avis dans les commentaires. Voilà, super. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, moi j'aurais tendance à dire un non très ferme parce que l'immobilier c'est un domaine très particulier, mais bon après. Et c'est vrai que le fait de montrer son visage, ça crée quand même de la proximité et un lien de confiance. Donc ouais. Ouais, puis enfin je veux dire, c'est le meilleur moyen d'allier le terrain et le digital parce que du coup, si sur le digital t'as beaucoup de visibilité, Si on ne connaît pas dans la vraie vie, bah. Du coup, ce que tu fais sur le digital, c'est comme si c'était séparé de ce que tu fais sur le terrain. Tu peux pas mutualiser les actions, c'est dommage, je trouve. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais en fait, je suis en train de m'en fourrir sur le sac poubelle sur la tête, là. J'imagine les flyers avec l'agent immobilier comme ça, qui a un gros sac sur la tête. Contactez-moi pour une estimation. Non. Tu es terrifiant, Bernard. Première vidéo, c'est fait. Next. Tu vois, t'es déjà hyper à l'aise. Regarde, t'as fait ça toute ta vie. En gros,
gros, ce que la fille dit dans la description, c'est qu'il faut surtout pas partager sa publication une fois qu'elle est postée en story, parce que l'algorithme n'aime pas ça, n'apprécie pas ça, et au lieu d'augmenter la visibilité, ça baisserait la visibilité du post parce que justement l'algorithme n'apprécie pas. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi je dirais que je suis pas d'accord, ou en tout cas je connais pas ce truc, mais au contraire, moi mon truc personnel, comment j'agis, il y a plein de posts que je like parce que je les ai vus d'abord en story, parce qu'on les a partagés en story, et je pense justement que c'est une bonne chose de les mettre en story parce que ça rajoute encore plus de chances que ton post soit visible et plus rapidement aussi, et du coup ça peut justement favoriser ta vidéo dans l'algorithme et qu'elle soit plus mise en avant rapidement. Je suis totalement pas d'accord avec ce qu'elle a dit et totalement d'accord avec ce que t'as dit. Bon, je suis pas virée. C'est bon. Oh my god! Waouh! Mais en fait, je suis un peu de manière générale contre tous ces trucs de gourou un peu en mode waouh, nouvelle technique super secrète pour exploser sa visibilité. Il n'y a pas de technique secrète si ce n'est du travail et de la régularité. Après, la forme que tu lui donnes, oui, ça peut avoir une importance. Mais dans le fond, il y a des gens qui ont des comptes éclatés, vraiment, genre c'est pas si travaillé que ça. Mais comme ils travaillent dur et qu'ils sont réguliers, ben ça marche, ils se retrouvent avec des milliers d'abonnés et des trucs qualifiés. Parfois même, ils finissent par créer des produits, des services et vendre derrière. Ouais. Donc peut-être que certaines petites astuces comme ça peuvent faire la différence, mais là, en fait, je vois pas non plus, j'ai l'impression que son conseil il sort de nulle part. Oui, elle s'est levée le matin, elle s'est dit ah. Ah. Donc ça doit pas marcher. Il y a pas de source en plus, il y a vraiment pas de source. Juste, ou alors j'ai pas le temps de lire, mais non, il y a pas de source. Et de toute façon, moi quand je donne des conseils aux agents immobiliers sur les nouvelles mises à jour des réseaux sociaux, c'est le créateur de l'algorithme qui a fait une annonce avant sur son compte. Tu vois, c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. Et je le mentionne toujours d'ailleurs dans mes posts. Le créateur a annoncé que, comme ça, au moins les gens ils savent. Et là, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est juste pour avoir un max de vues. C'est pas méchant si cette personne voit la vidéo, parce que ça m'est déjà arrivé avec Jenny quand on a fait une analyse de vidéo, on s'est un peu lâché et la personne m'a envoyé un message privé après. En mode bon bah désolé que ça vous ait pas plu, moi j'étais genre pardon, je voulais pas être méchante, mais du coup c'est pas méchant, c'est juste que y a pas la source. Et normalement tu vois les stories c'est 15 fois plus vu que les posts statistiquement, ça c'est voilà, c'est prouvé par les algorithmes aussi, c'est 15 fois plus vu que les posts. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas augmenter ta visibilité en mettant ton post en story. Et donc alors ce qu'elle conseille qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il faut pas mettre sa story dans les premières 24 heures. Non attends. Pff, la vache. Ce qu'elle conseille, c'est que il faut pas mettre sa vidéo en story dans les 24 heures, faut attendre 24 heures. Ouais, pourquoi 24 heures? Pourquoi 24 et pas 48, 72? Non, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que ça sort de nulle part son truc. Non, moi je suis pas convaincue non plus. Donc si vous faites un post, mettez-le en story. La story, c'est 15 fois plus vu que vos publications. Ouais. La plupart des gens fonctionnent comme Clarisse, exactement comme elle l'a dit. Et puis bah après, c'est pas parce que t'as publié une fois ta vidéo en story, le jour où tu l'as publiée, que tu peux pas le faire plus tard. Bah oui, en plus, oui. Genre moi, il y a des vidéos de conseils influents qui datent d'il y a 2 ans. Que de temps en temps je remets en story parce que parce que le sujet dont tu parles ça colle avec cette vidéo. N'importe quoi. On nous dit n'importe quoi, comme quoi il faut se méfier de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, faut pas croire tout ce qu'on lit, à part ce que dit conseil influent évidemment. Évidemment. D'ailleurs faut venir nous suivre sur Instagram. Bah oui, pour voir un petit peu nos petites bêtises. C'est la base. Si vous le faites pas, vous faites pas partie de la base. Mettez en commentaire je fais partie de la base. On verra qui sont les vrais. Troisième vidéo. Utiliser Canva ou Photoshop pour créer des stories. À la place, je vais te présenter un site d'intelligence artificielle qui te permet de créer des stories vraiment belles, simplement, rapidement et gratuitement. Pour ça, t'as juste à te rendre sur piggy.to. Puis tu mets le sujet des stories que tu souhaites. Moi, par exemple, ici, j'ai mis réussir sur Instagram. Tu rentres ton email. Moi, ici, j'ai mis bgeducateurs@gmail.com. Ok. Puis t'attends quelques secondes et t'auras un email de la part de Piggy avec les visuels. Tu peux tout modifier en quelques clics, le contenu est cohérent et c'est vraiment pas mal. Et si tu veux apprendre à créer du contenu viral sur les réseaux sociaux, commande singulier. Alors En fait j'ai pas l'impression que ça soit fou son intelligence artificielle. Enfin l'intelligence artificielle en soi peut servir à beaucoup de choses et peut aider sur beaucoup de choses aussi, peut faire gagner beaucoup de temps. Mais là j'ai pas l'impression que ça soit un bon truc. Enfin dans les exemples qu'il a mis que son intelligence artificielle a pu donner, bah déjà j'ai pas trop compris qu'on puisse personnaliser par exemple. On peut pas mettre nos couleurs, on peut pas rajouter nos visages. Et dans les exemples qu'il a mis j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de texte. Et ça pas fou parce que personne va le lire. Et oui, et c'est surtout qu'il a dit arrête d'utiliser Canva mais ça ressemble beaucoup à Canva, les modèles qu'il a montré. Du coup j'étais un peu en mode la première fois je suis pas sûre là du coup. Donc après peut-être qu'il a juste montré un extrait que ça s'utilise mieux, il y a peut-être d'autres boutons, d'autres fonctionnalités. Ouais, et si c'est le cas pourquoi pas. Au-delà de ça, ma stratégie que je conseille en story c'est pas ça. Bah ouais, le mieux en story c'est de se montrer soi, de parler, de montrer un peu ce que tu fais au quotidien. C'est ça. Alors que là dans les posts qu'il a mis on dirait juste un fond de couleur avec plein de texte et pas fou, quoi. En fait l'objectif des stories
faut revenir à l'origine du truc, c'est quoi? L'objectif des stories, c'est de resserrer le lien avec vos abonnés. Ouais. Les posts, les publications, c'est d'aller chercher de nouveaux abonnés et de continuer de fidéliser les abonnés qui sont déjà là. Et les stories, c'est d'aller simplement resserrer ce lien pour les gens qui sont déjà là. Ça peut se faire à travers des petits modèles comme ça où il y a un peu de texte, mais en soi, le format story, justement, il a été créé par Instagram pour être spontané, ouais, naturel, où tu mets des photos, des vidéos toi, du quotidien, comme tu disais. Et j'ai pas l'impression que ce soit rentable, en fait, de prendre du temps, même avec une IA, de créer des modèles, des trucs comme ça. J'ai l'impression que ça prend deux fois plus de temps. Même de le faire sur Canva et tout, pour faire des stories, il n'y a pas besoin. Plus pour des posts, peut-être, mais des stories, non. Bah nous, chez Conseil Influent, en soi, on n'a jamais, jamais, ouais, au grand jamais utilisé ça en story. On utilise des photos qu'on a dans nos galeries, ouais, des vidéos qu'on prend sur le moment. Et en vrai, c'est là où nous, on a le plus de réactions à nos stories et qu'on arrive le mieux à parler aux gens. Donc, j'ai du mal à voir comment quelqu'un peut s'identifier à une story qui est créée de toutes pièces. Ouais. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire avec la story, c'est faire réagir les gens. Comment tu les fais réagir? Bah, ils s'identifient ou ça les fait rire. Il y a une émotion qui est créée. Là, ça me... Et en plus, qu'on se le dise, on n'est pas des designers, donc on n'est pas les plus doués de manière générale. Pour même avec une IA pour créer des trucs comme ça, ouais, quoi. Donc je sais pas, à part si tu dois créer un truc en particulier, et encore je pensais à un jeu concours ou un flyer ou j'en sais rien, mais bah ouais, même pas en soi. T'as un jeu concours, tu fais une vidéo vite fait, t'expliques ton jeu concours. Je l'ai bien entraîné. Ah, je peux vous dire, elle est à bonne école chez Conseil Influent. Bon, du coup, moyen, je dirais coup-ci, coup-ça, quoi. Bah moi, je dirais, on peut l'utiliser, mais pas pour des stories. Bah oui, mais du coup, si, je sais pas si c'est fait que pour les stories. Le nom Piggy me fume de rire, déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit cochon qui fêtait. Aucun rapport avec le format story, du coup, rien à voir, vraiment. Allez, 1, 2, 3, 4ème vidéo. Attends, j'ai pas lu du coup. Ah. Oui, il a l'air trop gentil. Tu veux pas aller en enfer, toi? T'es en train de sécuriser ta place au paradis. Non, mais en fait, c'est gentil. Non, mais il est mignon. Bon, oublie sa tête. Voici 6 audios tendance. C'est pas sa tête qui me fait rire, c'est sa danse. Il est trop chou. Ouais. Ouais, je dirais que je suis d'accord, les audios tendance, ça favorise. Attends. Je vais pas te regarder, je vais regarder la caméra parce que... Ouais, je dirais que je suis d'accord, les audios tendance. Et ben voilà, tu vas aller en enfer. C'est bon, c'est décidé. Vas-y. Non, en soi, je dirais que je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression que je vais m'en sortir. Le désespoir dans ta voix. Je dirais que je suis d'accord avec toi. Attends. Je pense qu'il faut qu'on finisse d'évacuer. Mais non, mais tu m'as dit que c'était trop chaud. Ça a pas refroidi. C'est pour les micros, c'est pour vous. Clarisse, au début de la vidéo, je suis un peu shy, j'ai un peu peur. Oui, je suis un peu timide là. Je suis un petit peu timide. Clarisse, 2 minutes après, qui fout le boucan. Je dirais que je suis d'accord avec sa vidéo parce que c'est vrai que utiliser les sons tendance, c'est un truc que l'algorithme favorise beaucoup parce que vu que le son est tendance, j'ai pas d'explication, mais je sais que ça marche. Donc tout ça pour ça. Arrête en cours de route. Mais non, oui, tu es sur la bonne piste pour venir t'aider là-dessus. Et d'ailleurs, pour voir si un son est tendance, vous avez simplement à aller dans les audios sur Instagram et il y a une petite flèche à côté du son qui va vers le haut. Et ça, du coup, ça veut dire que le son est tendance actuellement et qu'il faut l'utiliser pendant qu'il est tendance parce que, bah, après coup, du coup, forcément, il a moins de visibilité. Mais en effet, les sons tendance, c'est quelque chose qui est pris en compte par l'algorithme. Et ce monsieur a fait une jolie sélection. Alors, j'ai vu cette vidéo il y a un mois, donc je pense qu'on ne peut plus prendre les sons tendance qu'il a donné. Si vous voulez les reproduire, enfin les utiliser. Je vous le conseille pas forcément parce que je ne suis pas sûre qu'il soit encore tendance un mois après. Donc moi je valide, pour le coup je valide le conseil de ce monsieur. Je valide également. C'est le premier qu'on valide, je crois on est les aigris du village. Mais ça y est aussi, c'est toute la vidéo. Il a entre 2 ans et 40 ans. Il est trop drôle ce mec. On en pense quoi de... Parce que je tiens à dire que j'ai sélectionné cette vidéo parce que les agents immobiliers me disent ça en permanence, en mode ouais, mes posts ils font que tant, j'ai que tant de vues, que tant de j'aime, j'ai l'impression que ça marche pas. Bouh. Tu vas aller en enfer, tu vois, c'est ce que je te disais. Et justement, au début de la vidéo, quand même, souviens-toi, t'as demandé ouais, soyez sympa avec moi en vrai, en commentaire. Non, mais c'est de la taquinerie, qui aime bien châtier bien, comme on dit, non? Mettez une note à Clarisse, comme ça, c'est pas la boss qui met une note. Eh, soyez gentil, s'il vous plaît, c'est ma toute première vidéo. Tu vas te faire lâcher. T'en
penses quoi? Je peux comprendre que ça soit vexant ou même décevant quand on s'investit dans un travail et qu'on voit qu'il n'a pas les retours espérés. Mais bah en vrai, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que il n'y a pas besoin de forcément s'investir de fou dans un poste pour qu'il marche. En général, ce qui plaît le plus aux gens, c'est que ça soit quelque chose de naturel et de spontané. Si on prépare un poste, on met une semaine à travailler dessus, bah il y a peu de chances du coup que le rendu soit naturel et que du coup ça plaise aux gens. Donc ça peut paraître normal que les retours ne soient pas aussi hauts que espérés. Et deuxième chose, en vrai, faut réussir à se détacher du nombre de vues et du nombre de j'aime. C'est pas le plus important. Ah mais tellement. J'ai un exemple parfait pour ça. Marielle, que j'ai eu en coaching. Je crois que je l'avais déjà cité dans une vidéo YouTube. Elle avait même pas 100 abonnés sur Instagram. Elle venait de créer son compte genre 2 semaines avant qu'on fasse le coaching. Elle a fait une vidéo. Elle en a reposté une après. Et c'est à la deuxième vidéo seulement. Genre je crois que la vidéo elle doit avoir 300 vues. C'est pas. Ouais. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire non plus. Et grâce à ça, elle a signé 2 clientes. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est ce que je disais en fait à Marielle, et c'est l'exemple parfait, il faut pas se concentrer sur le nombre de chiffres, même si ça peut être un indicateur de réussite. Moi, choisir entre un compte Instagram de quelqu'un qui a 5000 abonnés mais qui a jamais fait un close grâce au digital versus un compte qui a eu moins de 100 abonnés qui en a fait 2, bah moi je me focus sur le deuxième, parce que en soi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas pour avoir des milliards d'abonnés, c'est pour avoir des résultats dans votre entreprise. Et certes, ça booste l'ego, les chiffres, ça fait du bien, ça donne envie de continuer, et il faut en avoir un petit peu de temps en temps. Mais si on se repose que là-dessus, du coup, on joue avec son ego aux réseaux sociaux, et c'est pas ça qui va faire que les clients ont envie de bosser avec vous, surtout. Puis c'est les montagnes russes, je veux dire, sur les réseaux sociaux, avec les bugs, les algorithmes qui sont mis à jour, les tendances qui viennent, qui partent, les formats qui changent. En fait, si tu te reposes que sur les vues, c'est les montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, et du coup, pareil, ta motivation elle est en dents de scie. Donc faut se détacher de tout ça, même si, comme tu le dis, c'est vrai que c'est pas évident. Et oui, il y a la notion aussi de poste parfait, ça n'existe pas de toute façon, ça n'existe pas. Le nombre d'agents immobiliers que je vois passer des heures pour trouver la bonne idée de poste, etc. Alors qu'il suffit juste d'écouter vos prospects et vos clients au rendez-vous et de reprendre leurs propos pour répondre à leurs problématiques, vraiment. Après, en vrai, je dis ça, c'est pas d'une simplicité telle que je le dis. Là, c'est on dirait plus facile à dire qu'à faire, mais... Voilà. C'est juste qu'en fait, souvent, vous abandonnez avant même d'avoir vraiment essayé. Vous essayez une fois, oh, c'est trop dur, j'arrive pas. Ou alors, vous passez, comme tu dis, une semaine sur le poste à essayer de le rendre parfait. Et du coup, vous dites, mais attends, j'ai mis une semaine à faire un poste, je vais pas passer ma vie à faire des publications sur les réseaux sociaux, je suis agent immobilier. Mais pour ça, en fait, il faut se faire accompagner après, pour que ça évite et que ce soit efficace. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. Voilà. Moi, je m'invente pas agent immobilier. Demain, je vais pas vendre des maisons. Bon, bah, pour être sur le digital, ça s'invente pas non plus. Hein. Si seulement il y avait un organisme. Si seulement. Ou une entreprise. Mais ça me dit un truc. Y a pas une boîte qui s'appelle Conseiller. Influent. C'est ça, conseiller influent. C'est conseiller influent. Conseiller influent. Des gens sympas en plus. Tu connais Ah, mais attends, mais t'as vu? J'ai que des bons retours. Presque 5 sur 5 sur Google sur plus de 200 avis. Pff, oh là là. Oh les boss. La scène est si longue. Donnez-nous notre Oscar. Mais dans tous les cas, si jamais vous avez envie de vous lancer, alors évidemment, hein, petite parenthèse, on rigolait, nous avons quand même un minimum de modestie. Moi, je rigolais pas perso. Regardez la l'autre. Vous pouvez réserver un appel de coaching gratuit avec nous pour faire un bilan sur votre présence digitale et pour que nous, on vous donne des axes d'amélioration sur vos réseaux sociaux. C'est gratuit et on est sympa en plus, donc ça vaut le coup d'essayer. J'essaie de faire un clin d'œil, mais je crois que je suis toujours pas douée. Ah, vas-y, toi, fais un clin d'œil. Tchatcheuse. Elle drague déjà mon audience, regardez-la, elle. 1, 2, 3, 4, 5, on est à... Oh, c'est la dernière déjà? T'as vu, je te l'avais dit que ça passait vite. Partir tes visiteurs de profil en abonné, il ne faut surtout pas que tu fasses ces erreurs dans ta bio. Girl boss, mom of two. La vie est un jeu. Avec ça, crois-moi, tu pourras faire autant de contenu que tu veux. Personne ne va jamais s'abonner à toi. Faut toujours se demander quelles sont les informations qui sont utiles pour un visiteur de profil. Quand j'arrive sur un derrière, profil, moi, j'ai besoin de comprendre comment il va pouvoir m'aider et ce qu'il va pouvoir m'apporter. Donc, il faut vraiment que ça soit centré autour de ce que tu peux apporter à ton abonné potentiel et pas autour de toi. Donc, ce que j'utilise et ce que je recommande à mes clients et ce qui leur a permis de dépasser les 200 000 abonnés, c'est de créer leur biographie autour de 3 idées. La première ligne, c'est qu'est-ce que tu fais sur ton Instagram. La deuxième ligne, c'est qui tu es, pourquoi tu es légitime à le faire. Et la troisième ligne, c'est comment tu le fais. Avec ça, j'arrive sur ton compte, je comprends la valeur. Si ça me concerne et que ça m'intéresse, je m'abonne. C'est vrai que la musique derrière, ça fait un peu enquête d'action. Ouais. On dirait qu'elle va nous annoncer un truc dramatique. Bah, je dirais que je suis d'accord avec elle. Point. Oui, j'ai rien d'autre à rajouter en soi. On est à la fin de la vidéo, elle est fatiguée, Clarisse. Elle a plein le cul. Elle me fout de ses savates et termine mon soir. C'est ciao.
Non, en vrai, je dirais que je suis d'accord avec elle. J'ai pas forcément d'autres arguments à rajouter parce que sa vidéo est assez claire et assez complète. Elle a assez bien expliqué, donc la biographie, je pense pas que ça fasse tout. C'est pas ça qui va vous permettre de tout convertir. Mais c'est vrai que, comme elle dit, si on est intéressé par ton contenu, on tombe sur ton contenu et on vient cliquer sur ton profil pour s'abonner et qu'on voit que dans la biographie, tu parais être un clown en mettant girl boss, je sais pas quoi, ça peut restreindre les gens à s'abonner. Donc ouais, je dirais que je suis d'accord avec elle. Moi, je trouve qu'il manque un truc dans ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dit, dans les premières lignes, tu mets la mission de ton compte. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Dans les premières lignes, j'en peux plus des trucs je vous aide à vendre, acheter vos maisons. Oui, c'est normal, c'est ton métier. Ce que vous devez mettre au-delà de la mission, c'est quel est votre élément différenciant. Ouais. Ah, tu vois, il y a Justine à Lyon, une agent immobilier que j'adore, que je suis depuis un moment. Elle, sa première phrase, c'est un truc du genre je t'aide à réussir ton projet immobilier sereinement, avec sympathie, bonne humeur et une stratégie optimale. Ouais. Tu vois, derrière, il n'y a pas que la vente, il y a le côté bonne humeur qui est un peu sa marque personnelle. Oui, et du coup, ça rajoute tout de suite aussi le côté humain. Voilà, tu vois, il y a un truc autour qui fait que c'est une délégation humaine. Ouais. C'est pas un robot qui va s'en occuper. Et après, elle dit, à la fin, je sais plus, elle met... Elle dit quoi après ? Première ligne, ta mission. Deuxième ligne, qui tu es. Troisième ligne, comment t'arrives à faire. Moi, la deuxième et troisième, je suis... Après, alors si, je suis d'accord dans les autres industries, mais dans l'immobilier, pas forcément. Ouais, c'est vrai que le comment... Comment je vends des maisons, ça va être un peu long dans la biographie, là. Oh, 500 caractères. Ouais. En deuxième ligne, tu vois, moi, j'aurais dit... je vais te laisser deviner, c'est bon. Oh. Qui va donner confiance aux gens. Je vais te faire une devinette comme le père Fouras. Ouais, vas-y. Il est recherché par tous, et pourtant... Aucune des entreprises ne va réellement les chercher. Alors ? Attends, il est recherché. Non. Il est recherché par... Ils sont recherchés par toutes les entreprises, mais beaucoup ne vont pas réellement les chercher. Les avis ? Oui ! Eh, je suis pas la bosse un peu ? Enfin, c'est toi qui as deviné. Mais ma devinette était sympa quand même. Ma devinette était sympa. Les avis en dessous, enfin, ouais. Les avis de la preuve sociale de manière générale. Parce qu'il y a des agents immobiliers qui débutent tout juste, qui n'ont pas forcément d'avis. Mais au moins de pouvoir dire, je sais pas, 150 projets réalisés, 5 sur 5 sur Google. Voilà, un truc qui permet de donner confiance aux gens. Et si vous n'avez pas d'avis, mettez simplement vos valeurs en bouh. Vrai. Elle est pas gentille. Tu vois que t'es à l'aise, c'est vrai que la peste. On va l'appeler la peste maintenant sur la chaîne YouTube. Bon après voilà, vous mettez vos valeurs comme ce que j'ai dit avec l'exemple de Justine. Tout à l'heure, voilà, super la vidéo, hyper quali. Et en dernier, En vrai, je sais plus si elle l'a mis, mais un petit linktree. Avec tous les liens, je sais pas, sur leur site internet. Là, l'ami découvre nos formations vers son site internet. Mettez pas, s'il vous plaît, réserver une estimation gratuite avec le lien. Ouais, non, tout le monde dit ça. Ça, c'est pas foufou. C'est pas très original. Il redirige vers un truc, hein, j'en sais rien. Peut-être un tunnel de vente. She's smart. She's a smart girl. Petit tunnel de vente. Si vous ne savez pas faire de tunnel de vente, eh bien ça tombe bien, puisque le conseiller influent peut vous guider pour apprendre à faire ça. Les forceuses. Ok, on a regardé les 6 vidéos. Tu me mets quelle note du coup sur 6? Ah non, c'est eux qui mettent la note dans les commentaires. C'était un peu toi aussi l'interrogation surprise. Je te mets 9,5 parce que sur 10, je t'enlève 0,5 parce que t'as été plusieurs fois méchante avec eux quand même et je voudrais pas qu'ils croient que je suis de ton côté à 100%. Mais c'est de l'humour, je rigole. Je vous aime bien en vrai. Et toi, tu te mets combien? 10 sur 10. Hein. Je m'aime. T'as raison, faut s'aimer. Non, mais en soi, je crois que j'ai été d'accord avec... Enfin, t'as été d'accord avec tout ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que j'ai eu les bonnes réponses. Donc j'ai tout bon. Ça veut dire que t'as bien écouté à l'école. Ça veut dire que j'ai bien appris ma leçon. T'as bien appris ta leçon. Mais je l'avais pas prévenue pour la vidéo, donc elle a pas pu réviser avant de venir. J'ai pas pu réviser. Quoique, t'aurais pu regarder dans le document les vidéos. Regardez. On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez revoir Clarisse sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous le faire savoir en lâchant un maximum de pouces et en mettant des commentaires. Clarisse, t'aimerais revenir sur la chaîne? Bien sûr. Yes. En attendant, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, vous êtes les meilleurs. J'espère que vous avez appris plein de choses à nos côtés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao. J'ai vraiment cru que t'avais lancé le coussin sur la caméra.